Les gens n'osent plus parier. Je sais pas si c'est la libération d'Eddie ou un truc que t'as fait, mais Double Beat est venu au gymnase. Il était furax. Il a dit quoi? Il s'est pris la tête avec un des boxeurs et il a sorti une arme en l'agitant dans tous les sens. Il a dit à un de ces gars qui retournait au Wilcox Saloon. Toi, retourne te préparer pour le combat. Moi, je m'occupe de ce connard. Ses parents vivent en haut de la rue. Faudrait que je mette mon cache de côté. Je suis à South Downs. J'arrive. Je te débarrasse. Vous confie ça. Bonsoir, chérie. Oh!
appelé une ambulance, on lui a tiré dessus. Je crois qu'on a halluciné. Putain, tu viens de buter quelqu'un. Je vais ramener les gars ici. On a un problème. Ça me dit qu'on cherche la merde. Envoyez des renforts. Il est à moi. J'ai survécu. Je dirais qu'on a un arrivé. Seigneur, c'est trop tôt. Oh merde. Je suis un vieil homme. Sire. On va à couvert. C'est quoi cette charlie? Honneur aux anciens. À moi l'honneur. Non. Ma foi couverte comme ça. Parez-vous de là. Je pensais que j'étais prêt, mais en fait non. Je veux pas mourir comme ça. Je veux mourir dans mon lit. Je me mets à couvert. J'ai trouvé. Rappelez-vous. Réglé maintenant. Ne mérite pas ces cartouches. Prenez-le à revers. Je me mets. Un compte à régler maintenant. Trop jeune pour mourir. Trop jeune pour mourir, putain. Glisse-toi derrière lui. Tu vas courir pour mourir, putain. Je vais te garder. Non, m'a un compte à régler maintenant. Regardez, tout ce sang. Chopez ce salabruti. On se met à couvert. Je l'ai trouvé. Là. Enfoiré! Là-bas! Tirez-lui dessus, putain de merde! J'ai coincé! Il a fait! On va à position! Allez, les gars! Tu vas bien, vous, les gars! Là! Je me fous à couvert. Salut. Je vous ai manqué. Et à vous, les gars. Hé, hey, je t'ai trouvé. Tiens, putain. C'est pour moi, je recharge mon flingue. Encore tué quelqu'un.
Arrêtez le bordel de merde! Là! Merde! Emmenez-moi à l'hosto, putain! Combien de temps je bosse pour les Marcano? Hein? Ouais. Si tu veux qu'on tienne South Downs, je vais avoir besoin d'aide. Ok, mais ne me la fais pas à l'envers. Ce territoire, il est pour moi. Et après que Lincoln Clay ait tué le dernier capot, c'est à ce moment qu'il s'est tourné vers Sal Marcano. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça qu'on procédait au Vietnam. Vous voulez vous débarrasser du chef des connards? Vous ciblez ses hommes et ses infrastructures pour supprimer leur capacité de défense. Et avant même de s'en rendre compte, eh ben, ils se retrouvent tous à poil, le cul bien au vent. Y'a pas de la famille de Cassius? Non? Ah bon. Faudrait que je mette mon cache de côté. Je suis à South Downs. Pas de problème, Poussin. Je suis en chemin. Tu veux faire un dépôt, mon chou? Je vais directement à la banque. Attention, délit de fuite en cours à South Downs. Aux unités dans la zone, veuillez intervenir. T'en as marre de te faire botter le cul? Je dois faire un peu de gym, 3 fois par semaine. C'est bon pour mon cœur.
T'as du sang sur ta chemise. Ah ouais. Je me suis coupé en me rasant. Faut que je te fasse écouter un truc. Alvarez a refait surface. J'ai intercepté cet appel il y a pas longtemps. Compadre, no me está escuchando. Está tratando de matarme, brother, que casi no me escapo, coño. Mais je comprends rien à ce qu'il raconte. Tu peux me traduire ça? En gros, t'as foutu la trouille à Alvarez et il va rentrer à toute vitesse à Cuba. Il veut que son cher oncle Zaraga vienne à sa rescousse. Et Zaraga, il a répondu quoi? Il lui a dit de le retrouver au phare de la rive sud du bayou. Il va envoyer un bateau le chercher. Je suppose que c'est pas vrai. Zaraga était officier de police à La Havane quand Batista était à la tête du pays. C'est lui qui gère la sécurité du casino de Salle. Ils se connaissent depuis un bon bout de temps. Dès que Zaraga a raccroché, il a appelé Salle pour lui dire où trouver son neveu. Donc je dois arriver avant les hommes de Marcano. Salle va sûrement rien laisser au hasard avec Alvarez. T'as intérêt à bien te préparer. Tu as sec. Vous pourriez m'envoyer du matos à Del Rey? Je suis en route. Tu vois quelque chose? Fais-moi voir ce que t'as. Mais en bon usage, je me tire.
sur toi. Ou plusieurs. Oui. Non, putain. Putain, des serpents. Me dis pas qu'un petit serpent de rien du tout te fout les chocottes. Hey, c'est pas sur toi qui se trimballe. Gardez les yeux ouverts, au cas où ce gars d'Alvarez se pointerait pour lui. J'ai un croco qui adore les noirs. Arrête de tirer. Je suis ici pour t'aider. Come mierda. Hacen todo para la pinga. Putain de merde. Tu comprends ce que je dis? Si. J'ai tué les mecs qui étaient dehors. Je veux juste discuter avec toi, alors je vais poser mon flingue par terre, d'accord? Si tu essaies de me baiser, je te descends. Ça me va. Toi, c'est toi qui veux me faire la peau. Je voulais pas te faire la peau, je voulais juste te trouver. Ton oncle, il t'a balancé. Il va pas venir te chercher. Tu mens. Je lui ai parlé, il a dit qu'il envoyait un bateau. Tu crois que c'est juste une coïncidence si Cerital se sont pointés pile quand t'es arrivé? Zaraga a appelé Marcano, il lui a dit où te trouver. Il me faut un téléphone. Putain, mais t'as plus personne à appeler. Marcano a pas l'intention de te laisser quitter la ville. Il va se servir de toi et quand il aura ce qu'il veut, il te tuera. La seule chance de t'en sortir vivant... c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi où Marcano fabrique ses faux billets et on sera quitte. Ça se passe... dans un réseau de boxe de Tommy Marcano. Mais tout est déjà opérationnel. C'est tout ce que je voulais savoir. Viens. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Où tu m'emmènes? Je connais quelqu'un qui peut te faire sortir de la ville. Faire en sorte que personne te retrouve. Si tu veux sauver ta peau, reste près de moi. T'as compris? Si. Tu peux nous conduire? Non, on prend la mienne. Si c'est ce qu'il faut, ok. Mais restez planqués surtout. Non, mais llevarán de nuevo! Je vais cramer son cul. J'ai trouvé. Tu as dû baisser. On est plus très loin de ma caisse. Bravo les gars. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Je dis que t'as moi. Je l'ai trouvé. Envoie-lui un molotov. Allez-y. Il va chauffer. Chopez ça. Oh!
les gars. ¡No me llevarán de nuevo! Tu peux essayer de rouler droit, mec ? C'était le dernier. Enfin, je crois. Bon, ok. Mais vous relâchez pas trop, quand même. Tu aurais pu me tuer. Tu m'aurais collé une balle dans la tête et Markan aurait quand même été baisé. C'est quoi, la question ? Eh ben, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Ça le faisait pas. Écoute, à moi, tu m'as rien fait. Pour autant que je sache, t'es juste un type de plus qui s'est fait enfler par Markano. Parfois, c'est aussi simple que ça. Ok. Thank you.
Lincoln ? Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais que vous aidiez cet homme à quitter la ville. Il a de gros ennuis avec Sal Marcadon. Je crois pas que... C'est la persona. C'est de lui que tu m'as parlé ? Ouais, c'est lui. Écoutez, mon père, j'ai besoin de vous sur ce coup. J'ai pas d'autre endroit où l'amener. Merde. D'accord. Je connais un jésuite au Nouveau-Mexique. Il aide les gens dans ce genre de situation. Il faut s'en occuper maintenant. Marcano va retourner toute la ville pour lui mettre la main dessus. Très bien, je vais l'appeler. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Merci, mon père. J'ai un tuyau sur Tommy. Tommy Marcano a fait venir un faussaire de Cuba, c'est exact? Sal a passé 2 mois à essayer d'imprimer lui-même l'argent. Mais il s'est lamentablement planté. Les couleurs n'étaient pas bonnes, l'impression était mauvaise, tout était acheté. Il avait besoin d'un vrai expert qui s'y connaissait. Alors il a fait jouer ses connexions et il a trouvé un type nommé Alvarez. Et cet Alvarez a aussi contrefait de l'argent pour Castro. La plupart de nos ennemis fabriquaient de faux dollars. Putain, arrêtez, même certains de nos alliés en fabriquaient. Désolé, il a filé. Comment ça, il a filé? Tout ce que t'avais à faire, c'était d'aller au phare pour le récupérer. C'est quand même pas ma faute si Alvarez arrête pas de se faire la malle. Moi, j'ai voulu le foutre au trou, et toi, t'étais pas d'accord. Je voudrais surtout pas que Zaraga se dise qu'on a traité son neveu comme de la merde, t'as compris? Mon cul, ouais. Et puis Lincoln Clay a débarqué et s'est mis à tirer Lincoln partout. Clay. Lincoln Clay.
J'en ai plein le cul d'entendre parler de ce connard. C'est qu'un pauvre mec, un putain de négro. On est sur le fil du rasoir, Tommy, tu comprends? Si ça foire, on est foutus. On l'est tous. Alors, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que je ferais, moi? Écoute, c'est quand même pas compliqué. Ce nègre a chopé Alvarez, ça veut dire qu'il sait pour les plaques et qu'il va venir les chercher, tu piges? Alors ramène ton cul à la salle de sport et protège-les. Ouais, d'accord. Je m'en charge. Il faut mettre un terme à tout ça. Fini les conneries. Putain de merde. D'après ses rapports, Tommy Marcano a fait imprimer l'argent dans une salle de boxe qui lui appartenait. Tommy savait que Lincoln voulait les plaques, mais il cherchait à sauver les apparences. S'il commençait à annuler des combats et à fermer les lieux, les gens allaient se dire qu'il n'était pas à la hauteur. Il allait quand même pas laisser faire ça. Et comment Lincoln a-t-il réussi à rentrer? Il m'a demandé de surveiller un certain Alcee Bennett, un petit escroc qui travaillait pour Sammy, jusqu'à ce qu'il le trahisse et qu'il se fasse jeter de Delray. Après ça, il a gagné sa vie en recrutant des boxeurs pour les combats de la jungle de Tommy. S'il se portait égarant, Lincoln allait pouvoir entrer sans faire trop de vagues. Alcee est dans un briar patch, pas loin d'ici. Je vais passer lui dire bonjour, histoire de voir comment il va. Fais-toi plaisir. Putain, si je m'attendais. Si c'est pas Lincoln Clay. Surpris de me voir assis. J'ai appris la nouvelle pour Sammy et Ellis. C'était du rail. Mais t'as réussi à t'en sortir, faut croire. Prononce leur nom encore une fois et je te découpe en deux, de l'oreille jusqu'aux couilles. Viens, on va faire un tour. J'imagine que j'ai pas trop le choix. À ton avis. Passe devant. C'est que je reste à l'écart. J'ai pas remis les pieds à Delray depuis novembre 62. Ça fait presque 6 ans. Je sais. Je peux au moins savoir où on va? L'Acadia. C'est là que Tommy Marcano organise ses combats clandestins, pas vrai? Ouais. Et toi, tu lui dégotes des combattants noirs? Oui. Tant mieux, parce que je veux y entrer. Hein? Pourquoi? Si je voulais que tu saches, je te l'aurais dit. Si je dois risquer ma peau, je veux au moins savoir pourquoi. Enfoiré, t'as déjà de la chance d'être en vie après ce que t'as fait à Sammy. T'as vraiment cru qu'il remarquerait pas l'argent manquant? J'ai déjà payé 100 fois. 6 ans banni du seul endroit où j'ai jamais vécu. J'ai même pas pu aller voir ma mère sur son lit de mort. T'as fait ton choix. Il est temps d'en faire un autre. Et je fais ça. On remet les compteurs à zéro. Tu peux aller et venir à ta guise, Delray. Merde. Ok. J'ai entendu dire que si tu gagnais, Tommy te rencontrerait en personne. C'est vrai? Il aime bien jauger le vainqueur pour savoir s'il va bien. Loin de moi l'idée de critiquer ta conduite. Mais fais gaffe, s'il te plaît. Ce que je disais, c'était que... il aime bien jauger le vainqueur pour savoir s'il va devenir régulier ou si c'est l'histoire d'une victoire. Où ça se passe? Dans ce bureau, en général.
Un de ses hommes viendra dans les vestiaires après le combat, et il te conduira à Tommy. D'accord. T'essaies de nous tuer ? Loin de moi l'idée de critiquer ta conduite. Mais fais gaffe, s'il te plaît. Les combattants n'entrent pas par la porte de devant. On passe par l'entrée de service. Une seconde, qui c'est lui ? Lui ? C'est Jack Knife Johnson. Qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Qu'est-ce que tu crois ? Il est là pour battre ? Je vais être obligé de le fouiller. Les armes sont pas autorisées ici. Vas-y. Mais fais gaffe où tu mets les mains, fils de pute. Garde ça pour le ring, connard. Tu peux y aller. Le vestiaire est au bout du couloir. On se replie. Ce pauvre con a besoin d'un médecin. On le balance dans une ruelle. Le reste, c'est le boulot de merde. Ça ira. Tu peux y aller. Comment ça va, Nevin ? Quoi de neuf, Alcy ? Ça va. Faut que je me tape les formalités. Genre, donner ton nom et le reste. Toi, tu vas te préparer. Qui tu nous amènes ce soir, Alcy ? À nouveau. Il a l'air balèze. Mais je parie quand même sur le brawler. Il faut que je te demande un truc, Alcy. Quoi ? Vous adorez vous foutre sur la gueule, hein ? Les nègres. Non. Qu'est-ce qui se passe si on se fait choper ? Sûrement ce que t'as en tête. Si je peux enfin rentrer chez moi, ça aura valu le coup. Quoi qu'il se passe, faut qu'on y aille. On y est. T'es nerveux ? Je devrais. Tout dépend du résultat, j'imagine. Tu vas passer cette porte et ils vont annoncer ton nom. Ensuite, tu vas tout droit vers ton coin. Et toi, tu vas où ? Oh, je te retrouve là-bas. Cette partie du spectacle, c'est rien que pour ta gueule. Ils adorent faire la parade avec leurs boxeurs nègres. Vas-y, ils t'attendent. Et ce n'est pas fini ! Le prochain challenger a défié Nick Boubon, alias Boum Boum, accuse 100 kilos à la pesée pour 1m82. Voici Jack Knife Johnson ! C'est ça, vas-y, montre-moi que c'est de l'amour ! Frère mort ici. Fais chier. Oh, oh, oh.
Il la gueule. Faites-lui la gueule. Battez-vous les négros. Nous avons un vainqueur. Dans le coin droit, Jackknife Johnson. Le combattant suivant nous vient de Parklenis. Applaudissez Bobby Ledoux, alias le Beautiful Brawler. Boum Boum était qu'une fiotte à côté du Brawler. Il faut que tu bouges et surtout évite de te faire serrer dans le coin. Évitez de me faire serrer dans le coin. Compris. Accroche-toi, putain! Allez, colle! Hey! T'as une lance, mon gros! T'arrête pas de bouger! Johnson est sur une bonne série. Le prochain sur la liste, le champion en personne. Allô, pardonnez-moi deux. Et il s'avance vers le ring, le prédateur du Mayou, le boucher de River Row, votre champion, Grave Digger Vaux. C'est Grave Digger, le fossoyeur. Est-ce qu'il enterre ses adversaires? Ben ouais. Et donc, comment je m'y prends pour le battre? Tu cognes dur, vraiment très dur. Bat-lui le cul. Et ça. Défonce-le. Allez, cogne. Nous avons un nouveau champion, Jackknife Johnson. Ok, c'est bon, on y va. Et maintenant? Retourne au vestiaire pour récupérer tes gains. Et toi, où est-ce que tu vas? Moi, j'ai des affaires à régler. Quelque chose me dit qu'après la dérouillée que t'as mise à Boum Boum, il va chercher un manager. Vous les négros, vous savez boxer. Ça mérite la... Tu dois vraiment me prendre pour un con pour débarquer comme ça. Je suis pas du genre à éviter les risques quand ils sont calculés. Peut-être que t'aurais dû... J'ai rajouté de l'huile végétale. Ça épaissit l'essence. Ça colle mieux. On va juste la laisser se répandre tranquillement et pénétrer dans tous les orifices. Et quand j'y mettrai le feu, cette merde va brûler comme du napalm. Et toi ? Tu vas morfler comme jamais personne n'a morflé. Enculé. Je dirais que t'es prêt à mourir. Tu seras encore conscient quand les flammes te crameront les cuisses. Et c'est quand tu crameras que tout d'un coup, t'auras une toute grande révélation. Avant de crever,
Tu sentiras ta bite partir en cendres. Les flammes vont me consumer. Tout doucement. La douleur sera extraordinaire. Et alors tu me supplieras de t'achever. Toi, tu vas morfler comme jamais personne n'a morflé. Enculé. Direct, t'es prêt à mourir. Tu seras encore conscient quand les flammes te crameront les cuisses. Et c'est quand tu crameras que tout d'un coup, t'auras une plus grande révélation. Avant de crever, tu sentiras ta bite partir en cendres. Les flammes vont te consumer, tout doucement. La douleur sera extraordinaire. Et alors, tu me supplieras de t'achever. Toi, tu vas morfler comme jamais personne n'a morflé. Enculé. Direct, t'es prêt à mourir. Tu seras encore conscient quand les flammes te crameront les cuisses. Et c'est quand tu crameras que tout d'un coup, t'auras une plus grande révélation. Avant de crever, tu sentiras ta bite partir en cendres. Les flammes vont te consumer, tout doucement. La douleur sera extraordinaire. Vas-y, comment tu... Alors ça se finit comme ça. J'ai l'impression, ouais. Tu sais, ça voulait que je fasse une école de droit. Je travaille pour une grosse boîte. Que j'entre dans la politique. Il me disait toujours, fais quelque chose de respectable dans ta vie. T'aurais-tu l'écouté? J'ai ça dans le sang, tu sais. Ouais. On est qui on est. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Va te faire foutre. Pitié, me laisse pas brûler. Passe le bonjour à Lou. Dis-lui que ça le rejoindra bientôt. Oh. 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 Non! T'as cherché le mauvais plan.
Je recharge mon flag. J'en ai repéré un, les gars. Là-bas. Là. Tirez-lui dessus. Droit devant. Démontez-le. Là, par là. On va à couvert. Sont devenues les plaques d'impression volées par Sal Marcano dans la réserve fédérale. Je m'en souviens pas.
Lincoln m'a dit un jour qu'il refusait de tendre l'autre joue. Que ça ne marchait pas comme ça dans le monde réel. J'ai passé près de 40 années de ma vie à tenter de prouver qu'il avait tort. Mais je me suis menti à moi-même. Regardez comment les gens se traitent. La compassion est un signe de faiblesse. La cupidité est une vertu. Les pauvres sont vus comme des gens moralement corrompus alors que dans le même temps, les excès des puissants sont glorifiés. On envoie mourir des gamins. Et pourquoi? Pour que quelques personnes puissent en tirer un profit. Lincoln avait raison. Il a toujours eu raison. Il n'y aura plus jamais un autre Luther King, ni un autre Bobby Kennedy. Mais il y aura toujours un autre Sal Marcano, un autre Sammy Robinson. Et un autre Lincoln Clay. Nous sommes cruels et mauvais par nature. Et vive le putain de roi. C'était du bon boulot. Toute cette putain de ville parle de ce qu'on a fait à Marcano. Y a plus personne pour s'opposer à nous. On tient la ville maintenant. J'ai encaissé le coup pour la dernière fois, mais là, on se retrouve dans la même position. T'as pas intérêt à me la faire à l'envers cette fois. Ça pourrait mal tourner. T'as fait appel à mes services la dernière fois qu'on s'est vu. Pourquoi? Parce que tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Pour toujours. Alors c'est là que t'étais? Bon, si tu veux nous confier le quartier, tu peux être sûr qu'on fera tourner les affaires comme il faut. On va aller au bout ensemble. Celui-là est pour toi, Berk. J'ai de grands projets, tu sais. Pour commencer, je verrais bien une statue de Marcano en train de se faire défoncer le cul par un blaireau. Bordel, comment on a réussi à sortir de ce merdier en un seul morceau? J'aurais parié que Scaletta s'était fait trancher la gorge depuis un bon bout de temps. Ça s'est pas forcément passé comme j'avais prévu, mais on est vivant et l'argent rentre dans les caisses. Et comme je préfère de loin être vivant que de crever dans un buisson... J'en étais presque à me dire que Lincoln allait tous nous liquider. Ce qu'on a accompli, reprendre la ville à Marcano et sans qu'on s'entretue en plus, on peut être fiers de nous. Je dois bien l'avouer, j'ai douté de toi, mais c'est fini. T'as bien tenu toutes tes promesses et j'ai de la chance d'être de la partie. J'ai bien cru que c'en était fini pour ma gueule. C'est pas le cas et tant mieux. Je préférerais faire plus de raquettes. Je veux dire que je voudrais être le seul sur le coup. Tant pis, j'attendrai que l'un d'entre vous casse sa pipe. On est la preuve vivante que les méthodes de Marcano, les mensonges, les meurtres, les coups dans le dos, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Ces méthodes sont mortes en même temps que lui.